Alors, Manger un loup. C'est les 20 ans de la collection Loulou et ce livre-là est vraiment d'une impertinence et d'une drôlerie super jolie et chouette. Et pour une fois, c'est le cochon qui va manger le loup. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est possible? Tous les préparatifs de ce cochon qui espère donc manger le loup et qui prépare sa recette avec délectation pour que malheureusement et évidemment, comme toujours, ça se termine par le cochon qui s'enfuit. Il ne mangera pas encore le loup. Donc la beauté de ce livre, c'est vraiment la jouissance qu'on a de croire et d'attendre que l'événement se prépare, même si évidemment le loup, encore une fois, va avoir raison de ce cochon.